Sidonie Guédari, je suis thérapeute depuis une petite dizaine d'années maintenant. Donc, j'ai été formée en psychogénéalogie et constellation familiale par Céline Bourouat. Donc, formée aux constellations familiales et puis à l'astrologie et à l'accompagnement thérapeutique. À la base, avant ça, en fait, j'étais. Bonsoir. À la base, je suis sociologue. J'ai travaillé dans des cabinets de conseil en organisation et stratégie pendant une douzaine d'années. Bon, ça peut arriver d'intervenir encore, mais de manière très ponctuelle, très occasionnelle. Je suis mariée, j'ai quatre enfants de 23 ans à 10 ans, donc un panel large d'expériences. Du coup, j'anime des groupes, pardon, depuis une petite dizaine d'années maintenant en constellation, à peu près tous les mois, toutes les 5-6 semaines, et puis j'accompagne en individuel aussi. Effectivement, quand on parle de constellation, en fait, on parle de psychogénéalogie. La constellation familiale, c'est directement un outil de psychogénéalogie. J'y reviendrai tout à l'heure. Et du coup, on va un peu expliquer ce que c'est la psychogénéalogie. Est-ce que ça parle à certains d'entre vous, certains, certaines? Non. Bon, bah, très Non, bien. non. Très bien. En fait, quand on parle de psychogénéalogie, finalement, on parle d'héritage. On parle d'héritage familial. Quand on parle d'héritage, souvent, ça nous amène. Il est question d'héritage la plupart du temps au moment d'un décès. Un décès, une transmission, du coup. Et on sait, hein, vous avez peut-être vécu bon, des deuils, on en a autour de soi. Le moment du décès d'un proche, c'est souvent le moment où il y a beaucoup de choses qui viennent se décristalliser. Donc, ça vient réveiller souvent des conflits dans la fratrie, des conflits de loyauté vis-à-vis d'un des deux parents qui reste. Ça vient réveiller tout un tas de choses. Donc, c'est un moment crucial. Au-delà de la peine, au-delà de la douleur et de la perte, c'est un moment crucial en général dans la vie de famille. Parce que les repères changent, parce que l'équilibre familial, que ce soit par une arrivée, on en reparlera tout à l'heure, une naissance par exemple, ou un mariage, ou un départ, va changer l'équilibre global du clan. Si on parle d'héritage, on parle donc de transmission. Dans le cadre d'un décès, en général, on hérite éventuellement d'un patrimoine financier, d'un patrimoine immobilier. On va hériter aussi parfois de dettes, hein. Mais ce qui est important ici, c'est qu'on hérite parce qu'on est le fils ou la fille d'eux. Hein, on est dans cette filiation et c'est parce qu'on est affilié à quelqu'un qu'au moment du décès, on en vient à hériter. Et en France, même en cas de conflit, par exemple, en cas de conflit, on a une loi qui protège, on est obligé de transmettre au moins une partie de ses biens. Bonsoir, on est obligé au moins de transmettre une partie de son héritage à ses enfants. Évidemment, l'héritage familial, c'est bien plus vaste que ce moment-là, que ce moment où on va transmettre un patrimoine. L'héritage, il commence par la transmission d'un patrimoine génétique. Il commence dès la gestation par une ambiance, par une transmission de mémoire cellulaire. Après la naissance, il va y avoir de la transmission dans la manière de faire. La mère, le père transmettent à leur enfant à chaque fois qu'ils font quelque chose. Ils peuvent transmettre de la douceur, ils peuvent transmettre leur affection, mais aussi évidemment des croyances, des savoirs, des manières de faire. Hein, vous avez peut-être fait cette expérience chacun individuellement à votre manière. Moi, je me souviens que
Il n'y a que très tardivement, j'avais bien une quinzaine d'années, en allant dîner chez mon petit copain à l'époque, j'ai vu sa mère préparer la sauce salade et je me suis dit, mais on peut faire la sauce salade avec autre chose que de l'huile d'olive. Ça me paraissait une espèce de prise de conscience qu'il n'y avait pas une seule manière de faire une sauce de salade. C'est un exemple, c'est une anecdote. Mais c'est pour dire que dans chaque petit geste du quotidien, chaque manière de faire, en fait, il y a une transmission de quelque chose qui est finalement assez personnel. Hein, il y a une sorte de microcosme familial avec ses propres règles, ses propres valeurs, ses propres manières de faire. Donc, tout ça, c'est la transmission familiale. Comment elle se fait, cette transmission familiale? J'ai parlé évidemment de la transmission des gènes, donc il y a le biologique. On parle souvent de mémoire cellulaire. Mémoire cellulaire, ça veut dire qu'aujourd'hui, on sait, hein, même d'un point de vue biologique, que des événements majeurs, des crises, des chocs, des accidents peuvent avoir un impact sur la transmission du génome d'une génération à une autre et se transmettre sur plusieurs générations. Donc il y a une part vraiment de biologique, même dans la partie, j'ai envie de dire, de l'histoire de la famille. Il y a des transmissions qui sont narrées, on raconte l'histoire de la famille, ou il y a des familles où on ne raconte pas du tout, donc on transmet un silence dans ce cas-là. On transmet, je l'évoquais, des valeurs, etc. Donc il y a ce qui est mimé, il y a ce qui est montré, il y a ce qui est dit. Mais il y a aussi des transmissions inconscientes. Il y a aussi des transmissions inconscientes. Imaginons par exemple qu'une femme ait fait une fausse couche, par exemple. Hein. Elle fait une fausse couche et puis, quelques temps plus tard, peu importe, elle tombe à nouveau enceinte. La tension autour de cette grossesse ne sera évidemment pas de la même nature que la grossesse précédente. Parce que une femme qui n'a jamais fait de fausse couche, bon, sait par exemple qu'il faut faire attention les 3 premiers mois, qu'on n'en parle pas trop. On le sait, c'est dans le langage courant. On n'en parle pas les 3 premiers mois, il y a des risques de fausse couche. Et une fois que les 3 premiers mois sont passés, bon, bah voilà, on peut ouvrir un peu, on peut parler. Mais ça reste que du verbal, ça reste qu'une histoire qu'on se raconte. Quand on a vraiment fait l'expérience d'une fausse couche, que ce soit à 2 mois, à 3 mois, à 4 mois, évidemment, j'ai envie de dire, plus c'est tard, pire c'est. Plus la grossesse suivante va être impactée par, là pour le coup, la mémoire de l'accident et la peur de perdre. L'enfant qui est porté suite à la fausse couche, lui va ressentir un état de stress qui n'est pas défini. Il n'est pas défini, il n'y a pas forcément de mots dessus. Il y a simplement une espèce d'ambiance plus stressante, une matrice qu'on dit morbide, le terme est un peu dur, mais il y a quelque chose d'une ambiance morbide et la mère ne le transmet pas forcément. Aujourd'hui, on sait qu'il faut verbaliser, mais pendant très longtemps, on ne disait pas ça. On disait même que bah, voilà, une fausse couche, ce n'est pas grave, ça fait partie de la vie, on n'en parle pas, next. Voilà, le dossier est réglé, on n'en parle plus. En tout cas, l'enfant, lui, vit cette ambiance-là. Une femme qui a fait une fausse couche ou qui a perdu un enfant va en général avoir tendance à surinvestir l'enfant qui vient après. Ça veut dire être particulièrement protectrice, s'inquiéter, anticiper. Quand l'enfant est malade, ça n'a pas le même goût qu'une femme qui a pas fait cette expérience de la perte. Et donc, dans tous les petits moments du quotidien, les autorisations, les étapes d'affranchissement de l'enfant,
Ben, il y a une tension spécifique, une tension particulière. Et donc là, on est dans l'ordre de la transmission inconsciente. Ça veut dire que cet enfant qui a vécu cette gestation et qui est venu au monde, qui sent cette tension au fil du temps, mais lui n'a pas la cause de cette tension. Il ne sait pas pourquoi. Il sait juste que c'est un peu tendu, que la vie, ça a l'air dangereux, que maman, elle s'inquiète, elle a toujours peur, un peu comme ci, un peu comme ça. Et ça va générer, du coup, cette croyance que dans le lien, hein, mère-enfant, il y a une forme de tension. Et comme les mots ne sont pas posés, ben, on ne sait pas à quoi ça ressemble, on ne sait pas pourquoi, mais c'est un peu tendu. Cet enfant qui devient adulte deviendra peut-être parent à son tour et aura toujours vécu cette espèce de tension, hein, dans le lien parent-enfant. Mais du coup, inconsciemment, il va reproduire ça au moment de la grossesse, avec l'accouchement, et quand l'enfant sera là, bah, il se dira, c'est pas conscient justement, c'est pas mental, mais il y aura cette espèce de tension invisible, j'ai envie de dire, sur laquelle c'est difficile de mettre des mots. Donc ça, c'est le genre de transmission inconsciente qui va se faire de génération en génération. Et alors qu'on n'aura plus la mémoire de la perte d'enfant, on aura la mémoire du stress qui existe dans le lien parent-enfant. D'accord ? Quand on parle des mémoires cellulaires, il y a la mémoire biologique, mais il y a aussi ces événements qui se transmettent dans l'inconscient. Donc là, on a vu, hein, ça se fait au fil du temps. Et au bout d'un moment, l'événement initial devient flou, on ne sait pas de quoi il s'agit, mais il reste une trace. On parle aussi du coup de marques dans l'inconscient. Et la notion d'inconscient, elle est intéressante ici. Alors évidemment, Freud, il nous parle de l'inconscient, et quand Freud nous parle de l'inconscient, c'est l'inconscient individuel. Ça veut dire que éventuellement la grossesse ou ma naissance à l'instant T, il y a un certain nombre d'événements, un certain nombre d'expériences qui vont être placées dans le préconscient et puis dans l'inconscient, parce que je ne sais pas gérer psychiquement ces informations-là, je ne sais pas quoi en faire. Il y a d'autres ensuite théoriciens qui ont développé l'idée de l'inconscient collectif. L'inconscient collectif, c'est dire qu'on est porteur, tout être humain, on est porteur de l'histoire de l'humanité. Alors l'histoire de l'humanité, c'est vaste, hein, ça fait beaucoup. Mais il y a par exemple des mouvements pédagogiques qui utilisent cette information-là dans la formation des enfants. Par exemple, la pédagogie Steiner, hein, ils prennent en compte cette donnée-là dans le passage des étapes du petit enfant à l'enfant ado, avec différentes prises en compte justement de ces éléments-là. Donc je disais, ça fait beaucoup d'informations, l'histoire de l'humanité. Et je donne souvent cette image-là, hein, j'en ai une pas loin là, des poupées russes, vous savez. On pourrait imaginer donc une grande poupée russe avec l'histoire de toute l'humanité. Et puis il y a des inconscients régionaux. On sait bien que c'est pas la même chose d'avoir d'être originaire du Maghreb, par exemple, que d'être originaire de Turquie, que d'être originaire de Suède, ou même quand on est en France, d'être originaire de Corse ou de Lille. Hein, les inconscients collectifs, ici, ne sont pas les mêmes. On n'est pas marqué par la même histoire. Quand on vient d'Alsace-Lorraine, qui a changé de nationalité, je ne sais pas combien de fois, là, à partir du 19e siècle, on peut imaginer que ça induise quelque chose dans la conscience de soi et dans l'identité. Donc on a l'inconscient de l'humanité, on a ensuite l'inconscient régional, et puis on pourrait descendre jusqu'à l'inconscient familial. Donc comme une sous-couche, j'ai envie de dire. Et c'est ça qu'on travaille quand on parle de psychogénéalogie. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? Parce que une famille, c'est comme un système
au sens biologique du terme, c'est-à-dire qu'un système, c'est défini par le nombre de ses composantes, c'est un mode d'organisation. Chez les fourmis, c'est pas le même mode d'organisation que la mousse d'un arbre. Une famille a un mode d'organisation propre. Dans une famille, en général, c'est plutôt pyramidal, j'ai envie de dire, hein, et hiérarchique. Et les éléments du système sont définis. Une des règles aussi dans tout système, c'est que tous les éléments du système sont reliés entre eux. Évidemment, en descendant, parents-enfants, mais il y a aussi les oncles, les tantes, les cousins. Et il n'y a pas un lien qui serait, par exemple, à sens unique. Il y a un lien entre parents-enfants, mais il y a aussi et donc un lien sur, par exemple, l'histoire des parents va impacter l'histoire de l'enfant, mais l'histoire de l'enfant va aussi impacter l'histoire du parent. Donc, tous ces liens font que, ça coule de source, qu'on est relié. Et comme on est relié, on est impacté. On est impacté par l'histoire, l'histoire du clan, l'histoire de la famille. Bert Hellinger, celui qui a, on va dire, qui a formalisé la constellation telle que je la pratique, disait la constellation familiale a pour objectif de faire circuler l'amour dans le clan. Qu'est-ce que ça veut dire faire circuler l'amour dans le clan? On n'est pas au pays des bisounours, on sait bien à quel point les relations familiales peuvent être complexes. Mais c'est faire en sorte que ces liens, quel que soit le sens, soient fluides. Hein, on peut parler d'énergie aussi, que ça circule. Je compare souvent la constellation au Feng Shui. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent un peu ou ont peut-être organisé leur intérieur en fonction de certains principes Feng Shui. Le Feng Shui, alors moi je ne suis pas spécialiste, mais c'est l'idée d'organiser l'espace en fonction d'un objectif et de faire en sorte que la circulation d'énergie soit optimale pour qu'on profite au mieux de cet espace. Il y a aussi l'idée de parallèle entre l'intérieur de la maison et sa propre vie. J'ai envie de dire, la constellation familiale, c'est ça, c'est prendre conscience des liens dans la famille et faire circuler l'énergie. Parce que quand, si je reprends l'exemple de la fausse couche, on voit bien que ce stress, le stress de la fausse couche, va avoir un impact. Un impact sur la mère, bien sûr, un impact sur l'enfant, mais du coup sur les relations parents-enfants qui suivent. Quand on travaille en psychogénéalogie, on ne va pas annuler la fausse couche, évidemment. On ne va pas revenir en arrière, c'est pas Superman qui fait le tour de la Terre à l'envers là et qui repart à rebours des événements. Qu'est-ce qu'on va faire? On va travailler à remettre de la conscience sur les événements quand c'est possible, puisque comme je le disais tout à l'heure, parfois il y a des événements dont on n'a plus que la trace et on n'a plus la mémoire. On va remettre de la conscience sur l'événement et remettre chacun à sa place. Hein, c'est encore le lien avec le Feng Shui, c'est qu'on remet à chacun à sa place dans le clan. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de mettre chacun à sa place? Vous avez peut-être des enfants, ou en tout cas, vous êtes les enfants de quelqu'un forcément. Un enfant, il a besoin que ses parents aillent bien. Un enfant a toujours besoin que ses parents aillent bien. Il en va de sa sécurité intérieure. Parce que si ses parents vont pas bien, eh ben, ils vont être soit dans un mécanisme de fuite et pas être présent, soit stressé, donc l'enfant va se faire engueuler, soit il va assister aux disputes de ses parents, soit il y a un des deux parents qui va partir. Je durcis un peu les traits, mais l'enfant a besoin que son environnement soit harmonieux. Et
On sait tous, en étant ici, que bah, c'est pas toujours, ça se passe pas toujours selon cet idéal. Et l'enfant qui aime ses parents et qui a besoin fondamentalement que ce soit harmonieux autour de lui, va prendre sur lui, va souvent prendre une mission de réparer son parent, son ou ses parents. J'en sais rien, moi, si je pressens que maman est triste, eh ben, je peux très bien faire le guéluron pour essayer d'amener de la joie. Et même si j'amuse maman 5 minutes, en fait, on sait bien que ça marche pas. L'enfant n'a pas le pouvoir entre ses mains de réparer ses parents. Une maman qui serait triste parce qu'elle a perdu un enfant avant, c'est même si son enfant lui apporte de la joie, c'est pas lui qui va réparer sa peine. À ce moment-là, l'enfant prend un rôle qui n'est pas le sien. Et j'en viens à une des règles fondamentales de la constellation familiale, qui est la notion de hiérarchie, justement. Les grands prennent soin des petits et pas l'inverse. Bon, quand on a un parent âgé de 97 ans, ça peut s'inverser, mais les grands prennent soin des petits. Il y a une deuxième règle en constellation qui est que, comment dire, nul ne peut être exclu du clan. Beaucoup de sujets, beaucoup de problématiques dans un arbre vont être liées à l'exclusion. Qu'est-ce qu'on appelle l'exclusion? L'exclusion, ça pourra être un enfant mort précocement, dont la mémoire est tellement difficile que, par exemple, parler de cet enfant, c'est tabou, c'est interdit. Ça, c'est une exclusion. Une exclusion, ça peut être avoir un enfant ou un neveu homosexuel à une époque où c'était totalement impensable dans la société et ingérable. C'est un handicapé dont on ne sait pas quoi faire. Je ne sais pas si vous avez vu peut-être la série, comment ça s'appelle? The Crown, là, dans une des dernières saisons, par exemple, on voit que la reine découvre très tardivement qu'elle a deux cousines qui avaient été déclarées mortes, enfants, alors qu'en fait, elles avaient simplement un déficit mental et elles étaient dans un institut spécialisé. Elles ont été complètement exclues du clan. Ben ça, à un moment donné, ça va forcément se ressentir, hein. Pourquoi ça va se ressentir? Parce que dans ce mécanisme de loyauté, dans ce mécanisme, comme j'expliquais tout à l'heure, du fait qu'on soit tous reliés, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va prendre pour lui cette exclusion et s'exclure à son tour, ou exclure quelqu'un de son propre chef. Donc c'est ce qu'on appelle la loyauté. Ce qu'on appelle la loyauté, il y a deux grands mécanismes, on va dire c'est un peu des caricatures, mais deux grands mécanismes, c'est la loyauté parce que je me reconnais dans mon clan, je fais la même chose. Je vous donne un exemple classique, je ne sais pas, je fais partie d'une famille dans laquelle tout le monde est avocat, juriste, magistrat ou je ne sais pas quoi. Et ben, quand je vais me poser la question des études, en fait, je ne vais pas me la poser longtemps, je vais faire comme papa ou comme grand-père ou comme tonton et je vais suivre des études de droit. Ça s'appelle de la loyauté familiale. À l'inverse, on pourrait avoir de la trahison. Parce que tout le monde est juriste de père en fils, moi j'ai décidé que non, j'irai vivre sur les routes en jouant de la guitare, en me nourrissant d'amour et d'eau fraîche. Pourquoi on appelle ça une trahison? Parce que souvent, c'est pas un chemin individuel, c'est parce que je me positionne par rapport à l'héritage familial, et je dis, ben, je veux pas faire comme eux. Vous savez, c'est comme quand on dit, ah, moi, j'ai fait tout l'inverse de ma mère. Hein? Bon, sauf que le jour où on se retrouve tout d'un coup à engueuler son mari ou à brailler sur ses enfants, on va se dire, ouh là là, oh, je ressemble à ma mère.
Donc, ça, c'est de la trahison. Et finalement, c'est juste le revers de la même pièce, hein. Il n'y a pas de liberté par rapport au système familial. Que je sois en loyauté ou que je sois en trahison, j'ai pas d'espace personnel là pour ça. À quel moment il vient, d'après vous, l'espace personnel? Quand on fait ses propres choix. Et quand on fait ses propres choix, justement, Jung, il nous parle d'individuation. Ça veut dire pour ça prendre conscience de tout l'héritage dont on est porteur. Parce que tant qu'on n'en est pas conscient, ben, on ne peut pas le regarder. Et tant qu'on ne peut pas le regarder, on peut pas se positionner par rapport à ça. Et se positionner, ça ne veut pas dire ah ben, je fusionne ou je fais tout l'inverse. C'est je choisis parce que peut-être que moi, je suis très douée pour le droit. Et du coup, ce n'est pas parce que mes parents ont fait du droit que moi, je n'ai pas le droit de faire du droit. Donc, la constellation familiale ou le génogramme, hein, qui est un autre outil de psychogénéalogie, permet justement de faire face, de confronter. Hein, on parle de confrontation. Cette confrontation, ce n'est pas je me bataille, c'est je fais face comme si je pouvais regarder dans un miroir et voir que ça, ce n'est pas forcément moi. Et à partir de ça, je peux choisir ou pas quelque chose qui me correspond. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions ou des remarques. J'ai parlé du coup de deux règles, hein, de la constellation familiale. La première, la hiérarchie. Et donc, je disais ici que les grands prennent soin des petits et pas l'inverse. Quand on va travailler... Et après, je reviendrai sur comment ça se passe concrètement. Mais quand on va travailler en constellation, on va travailler à remettre chacun à sa place en faisant énoncer aux uns et aux autres des mots qui les replacent à leur juste place. D'accord? La deuxième règle, j'ai parlé de la règle d'exclusion. Nul ne peut être exclu du clan. Hein, j'ai donné plusieurs exemples. Et la troisième règle, ça va être l'équilibre entre le donner et le recevoir. La constellation, par exemple, elle s'applique aussi aux organisations comme les entreprises. Bien, il doit y avoir un juste équilibre entre le salaire et le travail fourni. Par exemple, dans un couple, on est sur un plan d'égalité. Il doit y avoir un équilibre entre donner et recevoir. L'homme et la femme ne donnent pas forcément la même chose, mais ça doit s'équilibrer. Dans toute amitié, par exemple, il doit y avoir un équilibre entre donner et recevoir. Ça ne peut pas être toujours la même copine qui écoute les malheurs de son autre copine. S'il n'y a pas d'échange, c'est plus une amitié. Entre frères et sœurs, il doit y avoir un équilibre entre donner et recevoir. Excusez-moi, justement, quand il n'y a pas cet équilibre, enfin, moi je le vois avec mon frère, lui c'est rien du tout. Enfin, moi, il y a une époque où j'ai donné énormément et j'ai compris voilà, l'histoire de l'équilibre. Bon, je sais que lui aussi doit comprendre ce processus, mais du coup, c'est vrai que des fois ça m'embête. Comprends? Je comprends, bah là pour le coup, la constellation, ça va être une bonne idée. Parce que c'est comprendre pourquoi vous êtes mis dans la position de celle qui donne, pourquoi lui, il est dans la solution, dans la position de celui qui prend. Ça peut être à votre niveau, au niveau de votre fratrie, il faudrait regarder s'il y a des absences, s'il y a des manquants, mais ça peut être aussi des loyautés avec des contentieux au-dessus. Donc ça, il faut regarder, oui. Et D'accord. puis, vous savez, quand on est petit, par exemple, on peut avoir un écart d'âge et il peut y avoir une sorte de substitution. L'aîné va, par exemple, prendre quelques responsabilités vis-à-vis des petits. Et ça, c'est parfois, on va pas, juste ou presque juste, j'ai envie de dire, quand on est une famille, qu'il y a une organisation familiale qui s'inscrit
Et évidemment, s'il y a un grand de 15 ans, que les parents bossent et qu'il y a un petit, bah, le grand peut faire réchauffer une pizza et quelque chose qui n'est pas complètement délirant là-dedans. À l'âge adulte, celui qui avait 5 ans de plus, ça ne compte plus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des choses qui ont pu être utiles à un moment de, dans l'organisation et qui ne l'est plus. Et qui demandent parfois des repositionnements. Donc voilà, j'ai envie de dire, il n'y a pas une seule réponse. Hein, ça dépendra un peu de votre système, là, pour le coup, de votre fratrie. Vous êtes deux, vous êtes trois, vous êtes quatre. Comment ça se positionne? Comment ça s'est positionné dans la fratrie de votre mère, dans la fratrie de votre père? D'accord. Et de regarder ces différents éléments-là. Donc voilà, cette troisième règle du donner et du recevoir. Alors concrètement, comment ça se passe une constellation familiale? Alors je vais parler non seulement de ma pratique, parce qu'il y a pour celles qui ont déjà constellé, la constellation familiale, c'est une technique, mais évidemment, il y a on va dire, des manières de faire un peu différentes. J'ai parlé par exemple de Bert Hellinger tout à l'heure. Mais il y a aussi une autre grande branche de constellation familiale qui a été faite par Alexandre Jodorowsky et qui a une autre branche qui s'est créée à peu près dans les mêmes périodes et qui a amené aussi d'autres choses. Mais même au sein de la branche de Bert Hellinger, voilà, il y a plusieurs manières de faire. Donc, je vais vous parler de la mienne. Hein. Je ne vais pas vous parler de tout ce qui est possible. Et je vais parler pour commencer de ce que je fais en groupe. Hein, la constellation, ça a été à la base développée pour le groupe. Donc, ça se passe sur un atelier, donc peu importe la durée de l'atelier, j'ai envie de dire, mais à tour de rôle, les personnes qui sont présentes vont poser un sujet. Donc, ça passe par un petit entretien qui demande pourquoi la personne est là. Parfois, elle en a conscience, parfois, elle n'en a pas conscience. À travers de questions, on va l'aider à affiner. Et le constellateur va déterminer à partir de ces réponses une dynamique principale. À partir de cette dynamique, il va se servir des gens du groupe, il va proposer à la personne, enfin moi j'ai proposé à la personne de choisir parmi les autres participants une personne, imaginons qu'on travaille la lignée des femmes, eh bien quelqu'un qui va représenter sa grand-mère, sa mère, pourquoi pas sa sœur ou sa tante, voilà, selon les systèmes. La personne va ensuite placer dans l'espace les différents participants. Elle va aussi choisir quelqu'un pour elle, parce que dans un premier temps, elle va pouvoir être spectatrice de son système familial. C'est intéressant. Et une fois tout le monde placé dans la pièce, qu'est-ce que ça veut dire placer? Ça veut dire que la personne marche, guidée par la personne, et s'arrête quand la personne lui demande de s'arrêter. Et ça nous fait comme un schéma. Hein. C'est pour ça qu'on parle de constellation, en fait. Ça n'a rien à voir avec l'astrologie, à la base. C'est juste que comme une constellation dans le ciel, c'est un ensemble de points qui sont reliés entre eux. Donc, on a ici un premier état, c'est-à-dire que le placement va nous donner des indications. Est-ce qu'il manque quelqu'un? Une tension, une exclusion? On va pouvoir les sentir à partir de ce placement. Mais aussi, je vais aussi travailler à partir du ressenti des représentants. Qu'est-ce que ça veut dire, le ressenti? C'est-à-dire que, curieusement, on peut être amené à ressentir quelque chose du fait de ce placement et des personnes qui sont là en place. Ressentir, ça veut dire, je ne sais pas, être mal à l'aise par rapport à quelqu'un. Et quand c'est une première constellation, on peut être très gêné parce qu'on se dit, oulala, je n'ai pas envie d'être mal poli, celui-là... momentanément il ne me revient pas, comment je vais faire ou au contraire se sentir attiré par quelqu'un, et il faut toujours replacer ça dans la constellation, hein. C'est pas la peine de s'inquiéter. Donc un ressenti, ça peut être un ressenti relationnel, ça peut être un ressenti, une émotion qui émerge, je sais pas, tout d'un coup se sentir impatient, se sentir en colère ou sentir de la tristesse ou se sentir vide. Puis parfois, on ne ressent rien et c'est OK aussi. Et ça peut être aussi des ressentis physiques. Une douleur qui monte, je ne sais pas, un plexus qui se serre, une épaule qui devient douloureuse,
une jambe qu'on sent un peu plus faible qu'une autre, etc., etc. Donc moi, je vais prendre en compte ces différents éléments et à partir du placement et de ces éléments, je vais travailler à réharmoniser ce système à la fois par des déplacements et par l'échange de phrases réparatrices. Faire entendre au système des mots qui ont besoin d'être entendus. Et vous allez me dire, qu'est-ce que ça peut faire? Ce placement, c'est comme une manifestation temporaire du système familial, même si ce n'est pas notre vraie mère, même si ce n'est pas notre vrai frère. Et cette manifestation-là, du coup symbolique, qui est une représentation, et ben, tout le travail qu'on va faire dessus va avoir un impact sur notre propre, non seulement l'image qu'on se fait de notre système, non seulement la conscience qu'on a des événements qui ont eu lieu dans l'histoire familiale, la conscience de comment nous, on s'est positionné par rapport à cette histoire familiale. Mais il y a aussi un impact qui peut être plus ou moins fort, plus ou moins subtil sur l'ensemble du système. Si vous attachez, je ne sais pas moi, deux objets ensemble, que vous bougez un des objets, l'autre objet va bouger. Et donc, on a souvent ce type de témoignage hein, après une constellation familiale, quelqu'un qui vous dira, bah, j'en sais rien, moi, bah, ça faisait 2 ans que mon père ne m'avait pas contacté et 2 jours après la constellation, il m'a téléphoné. Ou j'étais fâchée depuis, pas, voilà, suite à un deuil, ça se passait très mal avec mon frère, ça fait des mois qu'on se tire dans les pattes et puis bah, j'ai fait la constellation, je devais aller le voir pour régler des trucs administratifs et il m'a accueilli. En me prenant dans les bras. Voilà, en fait, tout le système va être impacté. Pourquoi? Parce qu'on est relié, encore une fois. Je vous parlais de prendre de la distance, de confronter cette histoire familiale. Souvent, quand on vient me voir sur un salon, par exemple, on me dit, oh, moi, je veux absolument me débarrasser de ce qui ne m'appartient pas. Et j'entends hein, cette formulation. Mais souvent, ce que je dis, c'est que en fait, ce n'est pas quelque chose qui ne nous appartient pas ou avec quoi on n'a rien à voir. C'est plutôt comment on se positionne par rapport à ça. Parce que notre histoire familiale, c'est bien l'histoire de notre famille. Sans cette famille, nous, on ne serait pas là. Et donc, plutôt que de dire, bah, je veux couper, par exemple, avec mon histoire familiale. Parce qu'on parle souvent d'un parent toxique, c'est souvent très à la mode. Moi, je dirais de faire attention à ça. Il y a beaucoup de parents très, très, très maladroits avec qui on a besoin de se positionner, avec qui on a besoin parfois de poser un cadre qu'eux-mêmes n'ont pas pu poser. Mais des parents avec lesquels il faille réellement couper tout lien, c'est rare. Et Et des donc, par pardon, excusez-moi, et des parents maltraitants, justement. ben ça dépend de l'ordre de la maltraitance. Des parents, je veux dire, avant, j'ai envie de dire que 100% des enfants prenaient des coups de badine ou des coups ça faisait partie de l'éducation. Est-ce que pour autant, ça veut dire que tous les parents étaient indignes d'être parents? C'était malheureusement, on a envie de dire, eh ben, la manière d'éduquer les enfants. Donc, c'est vraiment une question de proportion. Il y a vraiment des dosages là-dedans. Aujourd'hui, c'est plus rare, mais c'est encore fréquent. C'est plus rare, surtout pour la génération de nos enfants, j'ai envie de dire, hein, parce qu'à notre génération, c'était encore quand même bien fréquent. Et donc, ça veut dire quoi, maltraitant? Voilà. Donc, là aussi, moi, je ne serais pas ultra franche et catégorique. Par contre, des parents qui ont besoin qu'on repose un cadre, ça, il y en a beaucoup. Hein. Oui, c'est vrai. Et que nous, on se positionne par rapport à des abus de chantage affectif, des abus. Mais
J'ai envie de dire, des parents maladroits, c'est à peu près 100% des parents quand même, hein. Donc évidemment, dans des proportions différentes. Mais je rappelle les cas où vraiment faut tout couper, plus voir jamais la personne, c'est très rare. C'est très rare. Par contre, faire une pause pendant 6 mois, 1 an, parce qu'à un moment donné, on ne sait plus comment gérer le truc et qu'on a besoin de cheminer chacun de son côté avant de pouvoir se retrouver, bon, ça bien sûr. Mais ce n'est pas la même chose. D'accord? Et donc, c'est plutôt comment on peut s'approprier son histoire familiale et la transcender. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Des Mais est-ce que vous témoignages? m'entendez? Parce que j'ai l'impression que ma caméra ne fonctionne plus. Alors, qui me parle? Ah, Céline. Céline Ritou. En fait, j'ai l'impression que Oui, ma caméra ne alors fonctionne plus. effectivement, vous êtes figé, Ouais, mais alors par je. contre, je vous entends. Bon, bah, très bien. Mais quand ce cheminement, il est fait que dans un sens, c'est-à-dire quand la personne qui est en face de vous, bah, il est réceptif à rien depuis toujours et que c'est un vrai mur. Comment ça se passe? Puis en plus, on n'a même pas l'origine de tout ce mal-être qui a lieu dans cette famille. On n'a aucune idée de cette origine de Vous mal-être. parlez d'un compagnon ou vous parlez de Non, parents, par exemple? d'un parent de mon père. D'accord. Voilà, c'est une maltraitance plus psychologique, on va dire. Hein. Donc voilà, et ça passe vraiment que dans un sens. Hein. On essaye tous de faire un cheminement, mais lui, il est bloqué. Et il y en a qui feront pas le cheminement dans cette vie, j'ai envie de dire. Non, mais il ne le fera pas parce Mais que oui, on a vraiment. c'est ce que je dis. Il y en a qui feront pas le cheminement dans cette vie-là. Et c'est accepter, nous, en tant qu'enfants de ces parents-là, Oui. de faire le deuil, que ça peut changer et que pour autant, c'est votre père. Donc ça veut pas dire laisser faire, ça veut dire poser vos règles. Si c'est pas possible de se voir plus d'une demi-heure, une fois tous les à la Saint-Glinglin, une fois à Noël, et bien c'est dans ce cadre-là. Mais je trouve que c'est un des plus gros deuils à faire qu'on ait en tant qu'adulte. Ouais. C'est faire le deuil que nos parents aillent bien et faire le deuil du parent idéal. Mais C'est un des plus gros deuils qu'on ait à faire. le seul truc, c'est que le mal-être de mon père impacte au-delà de la famille, quoi. Ça a été très très loin. Donc, C'est quoi au-delà de la famille? bah, alors, il y a toute la famille, hein, mais par exemple, ma sœur qui n'est plus là parce que bah, justement, elle a subi tout ça. Mais il ne s'en rend pas compte, c'est ça qui est compliqué et on ne comprend pas bah, les origines de ce mal-être qui est reproduit sur tout le monde et qui impacte tout le monde. Et on sent bien sûr, que tout ça, ça doit provenir déjà parce qu'on commence à avoir quelques brides d'informations. Apparemment, ça remonte déjà à très longtemps de son père, de la famille, etc., où déjà c'était très compliqué. Donc je pense qu'on a récupéré aussi de tout ça. Et quand Yvonne, justement, me parlait de cette constellation, je me dis, mais quand on voit comment on est tous impactés là-dessus, sur ce mal-être, peut-être que ça aussi, ça peut essayer de nous permettre d'avancer, de Ah nous ben c'est libérer sûr, pour hein. nous et nos enfants. C'est sûr. Parce que C'est l'impact, sûr. il se fait aussi Replacer pour nos enfants. chacun et comprendre soit dans les faits, soit énergétiquement ce que cet homme vit et comment il se positionne par rapport aux autres, ça, en constellation complètement. Ça ne veut pas dire que votre père du jour au lendemain sera révolutionné, mais vous déjà vous vous positionnerez différemment. Et du coup, vous et vos enfants. On ne peut pas consteller en disant je vais sauver mon père, je vais sauver ma mère. Ça marche pas. Autant, je vous disais, il y a un impact, autant il faut se positionner à partir de soi. Oui, je comprends. Mais c'est une réelle souffrance. Oui, ben, j'entends Et bien, lui hein. aussi, il souffre. Mais Bien sûr. il s'en rend malade. Ouais. Il souffre, il fait souffrir tout le monde. C'est très compliqué. Très, très compliqué à gérer. Donc oui, la constellation, c'est vraiment typiquement le genre d'outil qui va être propice à ce pour ces cas de figure, hein. D'autres questions ou témoignages ou remarques?
Oui, mais moi j'ai une question. En fait, justement, quand vous avez tout à l'heure dit on peut bien consteller une lignée, on peut consteller par exemple les femmes de... D'accord, ok, je n'étais pas sûre si on pouvait repositionner par d'autres, pour d'autres personnes, pas vraiment pour d'autres personnes, mais bon, en disant, je vais voir la lignée. Encore une fois, quand on constelle, on a un impact sur l'ensemble de l'arbre, mais on peut, là encore une fois, si je veux consteller moi pour réparer ma grand-mère, il y a quelque chose qui n'est pas juste dans l'ordre. Vous vous souvenez, les grands Oui, prennent soin des petits et pas l'inverse. pas vraiment pour ma grand-mère, mais en fait, il y a des situations qui reviennent dans Oui. la relation. Ça Oui. repasse, ça repasse. Et donc, du coup, je me dis, mais... Mais du coup, c'est pour vous. Et au passage, vous travaillez sur la lignée. Et Ah du oui, coup. d'accord, ok. Donc, ça peut vraiment, ça peut aussi libérer, ça peut libérer aussi ma sœur, mes enfants, toute la souffrance qu'ils ont récupérée de tout ça. Ça peut vraiment les libérer. Ça peut avoir un impact, mais encore une fois, c'est vous le point central. Par exemple, votre sœur. J'entends que c'est probablement une femme qui a souffert et que vous, là, vous vous sentez du coup dans la posture de devoir l'aider. Oui, je veux l'aider, mais je veux aider aussi mes enfants. Bah, Je veux... autant vis-à-vis de vos enfants, j'ai envie de dire, ça peut être juste, même si c'est encore vous le centre. Autant vis-à-vis de votre sœur, vous pouvez travailler sur l'arbre, espérer que ça ait un impact sur elle, mais votre sœur, elle est largement adulte. Oui, ça c'est Et clair. à un moment donné, c'est comment elle décide ou pas de prendre en charge ce qui est difficile pour elle. Donc le travail qu'elle fait, le travail que vous faites, ça peut se compléter, s'imbriquer, dénouer, mais vous ne pourrez pas vous réparer votre sœur. Oui, je comprends. Je comprends. Et en une séance, c'est radical ou il faut plusieurs séances de groupe pour solutionner Souvent, ça va être une séance de groupe pour un sujet. Après, il y a des sujets qui vont être, vous savez, comme le nez au milieu de la figure, et on peut être amené à travailler un peu le sujet sous plusieurs angles. Mais c'est plutôt souvent un aspect qu'on va travailler à chaque fois. Un sujet, je veux dire plutôt. Et ça dure longtemps, en fait, la constellation, le fait de se faire consteller. C'est entre une demi-heure et une heure. Ça D'accord. dépend des sujets. OK. Donc, tout à l'heure, vous parliez aussi, excusez-moi, vous parliez de personnes, en fait, qui représentent les personnes. D'accord. Donc, c'est eux qui sont récepteurs, pas Oui. réceptifs. D'accord. OK. Et on peut consteller quelqu'un sans qu'il le sache. Oui, bien sûr. Ouais. Elles n'ont pas du tout besoin de le savoir, hein. D'accord. Je vois Yvonne qui rigole. Parce que mine de rien, elle a travaillé sur mon père. Non, votre père n'a pas du tout besoin de savoir vos démarches personnelles. Ouais, c'est très bien. Très, très bien. Est-ce qu'il y a encore une question ou Non. Juste une dernière. Non. Quand vous faites vos constellations, vous les Oui. faites où? À Palaiseau. Ah, c'est à Palaiseau. D'accord. Ouais. Ok. Et c'est... Oui, pardon. J'ai mon cabinet, je suis bien Ah là-bas. oui, je me doute. Ça se fait généralement en soirée ou ça peut être dans la journée? Non, c'est le dimanche. Je fais une journée d'atelier le dimanche. D'accord. Ok. Alors, justement, une petite question sur enfin, les différences alors d'organisation pratique, ça, je m'en doute, mais pourquoi opter pour une constellation en collectif et pourquoi plutôt de façon individuelle? Comme je disais tout à l'heure, c'est quand même un outil qui a été développé pour le groupe. Ouais. Donc moi, je conseille quand même toujours plutôt le groupe. Après, il y a des personnes qui sont particulièrement réfractaires au travail de groupe.
ou qui, pour des histoires d'agenda ou de calendrier, vont préférer travailler en individuel parce qu'il y a une urgence ou je sais pas, je veux consteller avant de partir déménager, je sais pas où, ou de partir en voyage. Ou... Mais moi, je recommande plutôt le groupe. Après, pour des enfants, évidemment, on ne va pas travailler en groupe. Pour des ados, quoique, là, par exemple, le dernier atelier, j'avais fait venir un tout jeune à l'atelier de groupe. Il est passé le premier et puis il est parti après parce qu'il n'a pas besoin d'assister aux histoires de tout le monde. Il est jeune et il a bien assez avec sa propre histoire. Mais voilà. Et ça veut dire qu'il vous faut un nombre précis de personnes dans chaque groupe, enfin, un nombre limité, enfin, Alors oui, je ne travaille pas avec... On va dire que je fais un maximum de 10 constellations dans la journée, et si on est deux, bah, ça ressemble plus à de l'individuel que du groupe, mais voilà. Alors ça veut dire qu'après, on reste pour les personnes d'après, c'est ça ? Ah bah oui. C'est un atelier sur la journée et à chaque nouvelle constellation, bah, vous pouvez être choisi comme représentant pour représenter un père, une sœur, un enfant. C'est justement l'intérêt aussi du groupe, Muriel, c'est que vous travaillez au travers du sujet que vous avez apporté, mais en fait, vous travaillez aussi au travers des sujets apportés par les autres. Parce que même si ce n'est pas votre histoire, j'ai envie de dire qui a eu un père idéal. Ça veut dire que quand on travaille sur le père de quelqu'un, ça peut être complètement différent et ne pas vous parler. Mais on travaille quand même sur des archétypes. Ce qui fait qu'on travaille aussi souvent, pas que dans une constellation en fait, mais au travers de plusieurs constellations dans la journée. Bon, bah écoutez, je vous remercie d'avoir été présent ce soir. Là, j'ai du coup un peu concrètement comment ça se passe. Bah, je vous disais, j'organise des ateliers toutes les 5-6 semaines. Là, j'ai un atelier dimanche qui est complet. Le prochain aura lieu le 21 février et ensuite le 21 mars. J'ai aussi un stage sur... l'exclusion, hein, le complexe de différence et l'exclusion qui aura lieu. Donc là, c'est un stage de 2 jours où on va travailler en psychogénéalogie, mais pas que, sur une thématique. Et ça sera les 23 et 24 janvier. Et puis aussi, dans les actualités, donc j'anime des stages thématiques comme ça tous les 2 mois à peu près. Il y en aura en mars sur la castration et l'affirmation de soi. Et puis, j'ai développé un nouveau programme pour les ados, donc de 14 à 21, hein, c'est l'ado vu de manière large, qui vise un peu à amener à nos jeunes des outils, une conscience de, j'ai envie de dire, de leur pouvoir d'agir dans leur vie. Donc à la fois en prenant conscience de ce qui les retient et de leur amener des outils, de leur amener des moyens de réfléchir, une ouverture. Et du coup, ça sera sur 4 dimanches et puis 5 soirées en visio. Et ça sera réservé aux jeunes. À partir de février, ça commence. Voilà, bah écoutez, si vous n'avez plus de questions... Merci. Je vous remercie. Si vous avez des questions qui vous viennent par la suite, n'hésitez pas à me passer un coup de fil. Je vous rappelle selon mes disponibilités ou à m'écrire un mail. D'accord. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.